Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va pouvoir repartir sur Golden Sun aujourd'hui ensemble. On est parti pour à peu près 2 heures. On va être tranquille, on va jouer tranquillement normalement. Revoir ensemble l'histoire. Le jeu a 20 ans, je me suis rendu compte. Et du coup, bah, ça fait que y a pas mal de choses qui sont toujours intéressantes et que j'ai oublié depuis l'époque où j'ai joué pour la première fois. Ça va être vraiment intéressant de voir si j'arrive à me souvenir de quelques trucs. Pour l'instant, l'histoire, ça va. Mais pour le reste, on verra. J'espère que donc vous allez bien, que vous êtes bien installé, que vous êtes soit en train de manger, si vous êtes en train de voir ça en live, ou simplement bien installé, si vous regardez sur YouTube pour plus tard. J'ai monté, donc on va être parti. Et puis bah allez, on y va. Tout. Et ça devrait charger dans quelques secondes, vous devriez voir. Voilà. On y retourne. Alors, juste retrouver la sauvegarde la plus récente, c'est celle-ci. Et donc, pour résumer, oui, on a découvert les étoiles élémentaires et on a été sauvé par un non-œil volant sous la forme de rocher. Donc un rocher avec un non-œil qui vole. Qui nous a sorti de manifestement le volcan sur lequel a été construit le temple, qui est juste au-dessus, rappelons-le, de notre village. La dernière fois, gros caillou. Révélation, Vlad est vivant. Lina a été embarquée par les méchants. Et puis on va voir ce que ça donne à partir de là. On est parti. Est-ce qu'on court? Allez, on court. Est-ce qu'on va avoir des rencontres aléatoires? Je vais voir si j'avais pas raté un passage tout à l'heure, la dernière fois. Hop. Hop. Même les monstres se sont barrés. Hop. C'était par là, je crois. Hop. Oui, c'est la... Non, il n'y a rien. Bon, écoutez, c'est pratique. Vous avez sûrement dû remarquer qu'effectivement, il y a eu quelques petits changements au niveau de l'habillage, notamment en début de stream. Un grand merci à Salania pour ses conseils. Salania qui a une chaîne Twitch. Donc, si vous regardez ça le jour même, donc mardi... En général, il est en ligne le mardi pour faire du point and click. En ce moment, c'est sur Siberia 2. Hop. J'en profite, hein, mettre en avant les copains. C'est très marrant, je suis souvent dans le chat, donc voilà, si vous voulez me voir dire des bêtises en texte plutôt que directement en voix, eh bien écoutez, hop. Vous pouvez me retrouver là, et puis voilà, il y a encore un peu de travail à faire, je pense, sur l'habillage de mon côté, mais son stream est de très grande qualité. Donc là, c'est bon, je me souviens, il n'y avait rien. On court vers la sortie. D'ailleurs, il est passé où le vieux? Il est toujours avec nous. Tout. Ah, du platforming. Ah, mon ennemi mortel. Oui, ou une porte, ça marche aussi. Tout. Les temples ont une fâcheuse tendance à s'effondrer, notamment les temples perdus. Rappelez-vous-en si un jour vous allez dans un temple perdu. Touchez rien. Hein, rappelez-vous, Indiana Jones. Ça lui a pas trop réussi. Oh, du platforming. Ah oui, je me souviens. Faire le tour. Hop, hop. On va y arriver. Promis, un jour, je serai bon. Sur le platforming. Hop. Hop. Oh là là. Mais que se passe-t-il? Ok, non, donc à nouveau, tout le temps du monde. Si on se tient là suffisamment longtemps, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'imagine que rien, hein, l'écran tremble. Oh là là, tout le monde est réuni pour voir le spectacle. Au lieu de fuir. Je pensais que le mont Alpha était endormi. Oui. Oh, mon petit-fils, est-ce que Garrett sera en sécurité? Il est au cœur du problème, mec. Grand-père, nous ne savons même pas s'il est là-haut.
Comment serait-ce? Quelqu'un l'a vu escalader le mont Alpha avec ses amis. Grosse discrétion, les mecs. Il traînait par ici pendant que je faisais mon tour de garde. Tu as été très efficace. Vlad et Gareth sont partis chez Telos. N'ont-ils pas dit qu'ils étudiaient l'alchimie? Oh, oui, mais quel rapport avec l'éruption? Ouh. À peu près tout. Nos triomphants héros. Oh, ce sont l'Empereur et les autres. Que pouvons-nous faire? Tu veux remonter? Je vois pas bien à quoi ça sert. Ah non. Allez, allez faire face aux conséquences de vos actes, les deux là. Gareth! Vlad! Vous êtes ouf! Venez ici, vous deux! Oui, j'ai le sentiment qu'ils vont se faire engueuler. Réprimandé, je dirais même. Où étiez-vous? Que s'est-il passé? Ils veulent rien dire? Ah non. Lina et Telos, ce n'est pas avec vous. Si. Ils ont été enlevés. Par qui? C'est très compliqué, cette histoire. Il n'y a pas d'image. C'est difficile pour moi. Il faut que vous nous racontiez tout ce qui s'est passé. Pendant que le volcan va exploser. Évidemment. Accompagnez-moi au temple, les enfants. Alors ça, c'est le faux temple. Ça va, le volcan est pas trop... Les étoiles élémentaires, l'alchimie, la pierre de Mars. Qu'est-ce qu'il fait avec le bénitil, monsieur? Ok. Non. Ok. Si vous comprenez ce qui se passe, vous me dites. Pardon. Nous ne pensions pas. Le vrai temple. Eh oui. Lina et Telos, ils sont prisonniers. On peut dire ça comme ça, oui. Mais oui. Ils ont été enlevés, quelle horreur. Ah oui, maman. Vous pensez qu'ils peuvent être sauvés? C'est nous les héros. On va sauver les gentils. Si vous avez la référence. Pensez qu'ils peuvent être sauvés? Oui. Pavel, le frère de Lina les protégera, non? Comme un doute? Qu'y a-t-il, grand prêtre? Vous êtes bien silencieux. C'est comme vous étiez, comme si vous étiez ailleurs. Cette pierre qui lévitait dans le temple, Vlad. Oui. Je l'ai déjà vu dans mes rêves. Des rêves chelous. Elle est apparue dans mon esprit et vient de me parler. C'est pratique. Vous venez de la voir? C'était l'inexorable. C'est quand même un sacré nom. Le gardien des étoiles élémentaires. Je l'ai perdu pendant un temps, lui. Il m'a dit... Ce qui vous est arrivé au temple de Sol, ça valait bien le coup de tout expliquer nous-mêmes. Et que dit-il au sujet de l'éruption? Est-ce que le volcan détruira Val? Oulala. Oulala de la magie. Il est impossible d'arrêter l'éruption pour le moment. Ah. Val sera-t-il? Val ne craint rien, l'inexorable empêchera la lave d'arriver. Il va rediriger ça vers le village de l'autre côté de la montagne. Et
Qu'y a-t-il, grand prêtre ? Le village sera-t-il détruit ? En tournant. Quelque chose de pire que la destruction de Val plane sur nous. Qu'y a-t-il de pire que la destruction de Val ? Le monde ? Une terrible puissance. Les gemmes étoiles élémentaires renferment une puissance phénoménale. Et Val gardait ses gemmes. Les phares élémentaires vont libérer ce pouvoir sur le monde. Ah bah, prophétie. Une fois la puissance des gemmes libérée, le monde entier sera... L'inexorable veut récupérer les gemmes, non ? Bah non. La survie de notre monde est entre nos mains. Si nous ne faisons rien, le pire est à prévoir. Quel dommage. Oui, c'est ballot. La fin du monde, c'est... Ça m'embête. J'habite ici. N'attendons plus, il faut que nous prenions les choses en main. Ou motiver le vieux. Il veut partir à l'aventure. Que faut-il faire ? Récupérer les étoiles élémentaires et leurs responsabilités. Bah oui. C'est leur bêtise qui a causé la fin du monde, donc c'est à eux d'aller empêcher ça. C'est un peu comme ça qu'on éduque les enfants aussi, hein. On en revient au thème. Hein. Vous suggérez que nous mettions le destin du monde entier entre les mains de Vlad et Gareth. Gareth n'est qu'un enfant, vous ne pouvez pas lui demander un tel exploit. Bah tiens, regarde. Inexorable à parler. Vous êtes tous deux entièrement responsables. Et maintenant, il faut que vous décidiez. Je sais pas quoi faire. Vlad, décide, s'il te plaît. Merci, mec. Pas de pression. Vlad, acceptes-tu que le destin du monde repose sur tes épaules ? Bon. Imaginez Link qui fait... ou Mario. Oh, la princesse a été enlevée. Il faut aller la sauver. Mario qui fait non. Bah bien sûr que si, on y va. Allez, hop. C'est nous les héros. Tu acceptes ? Oh Vlad, quel courage ! Par contre, t'as choisi de laisser Vlad décider pour toi. La discussion s'arrête là. Pas content, papy. Oh, inexorable. Ces deux-là ont accepté votre quête. Guidez-nous de votre immense sagesse. Faut que j'apprenne à parler. Ouh, lumière. Oh bah tiens, il est là. Donc on parlait du caillou non-œil flottant. Le voilà. Vous êtes bien courageux d'entreprendre une telle quête. Je veillerai sur vous. Choisissez bien votre voie, mes enfants. Voilà. C'était l'inexorable. Qu'a-t-il dit ? Pavel doit libérer la puissance des phares. Pardon. Trouvez les phares. Vous serez guidé par cette étoile élémentaire. Est-ce qu'il y aura des gardiens de phare ? Tout seul en haut. Que doivent-ils faire là-bas ? Vous pouvez nous en apprendre d'autres choses. Vous pouvez sans doute nous en apprendre d'autres choses, grand prêtre. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse de grande idée. Trouvez les élémentaires. Les djinns. Vous voulez dire les vices, 501. On sait. Ils vous aideront. Je vais arrêter un peu. Y a-t-il rien d'autre ? C'est tout. C'est tout ? Vous avez rien d'autre à leur dire ?
C'est tout, monsieur le maire. C'est à vous de jouer, Vlad. Et sur ce, je rentre à ma maison. Voilà. Sacré grand prêtre. N'est-il pas temps de méditer? Oh oui, la méditation, allons-y. Cassons-nous. Merci monsieur le maire. À quoi servent-ils ces gens? Envoyer les enfants sans leur donner d'aide. Je suis d'accord, mais... ils ne nous ont pas donné d'autre choix. Techniquement, on pouvait dire non. Et quand doivent-ils partir? On ne peut pas se permettre d'attendre. Ah, maman est pressée de nous foutre dehors. Demain alors? Oui, demain. Pressée, maman. On lui est déjà assez cassé le toit. Je pense qu'elle en a marre. Pourquoi est-ce que tout le monde est à la porte de la ville? Quoi? Tu sais pas? Hey, coucou Salania. Vlad et Gareth quittent Val pour un voyage. Eh ben écoute, ça va, hein? Ça fait des voix d'enfants. Si seulement je pouvais y aller. Il paraît que ce sera bien dangereux. Ah oui? Alors tout le monde est là pour dire au revoir. Ah, sauf le chien qui se barre. Qu'y a-t-il? Bizarre, la mère de Vlad n'est pas là pour le voir partir. Oh, c'est vrai, elle est où maman? T'as raison, elle est pas là. Les chiens qui se courent après. Hey, doit-on dire au revoir nous aussi? Bien sûr, allons-y. Tout le village. Nous comptons sur toi, Vlad. Oh, et sur toi aussi, Gareth. Un vrai conseil. Ne buvez pas l'eau si elle sent bizarre. Et prenez ça avec vous. Vlad prend de l'herbe. À chaque fois, ça me ferait rire. Je sais qu'il faut pas boire l'eau croupie, Sourette. Ne l'écoute pas, Vlad. C'est qu'un porcelet. Je mangerai tout ce qu'il passe sous la main. Oui, t'as vu ça? Dora est très en retard. Oh, c'est vrai. Tante Dora m'a demandé de te donner ça, Vlad. Oh. Vlad prend... Perle Larcin. On va faire comme dans Siberia 2. Kleptomanie, la perle Larcin. Je crois qu'on est paré, hein, Vlad? Réfléchis encore, Gareth. Ça doit être très difficile pour Dora. Étant la mère de Gareth, je ne peux que compatir. Mais j'ai toujours le père de Gareth, alors que Dora n'a plus que Vlad. Elle ne veut pas que tu partes, Vlad. Mais elle sait que tu dois y aller, et ça lui fait de la peine. Ah oui, il faut que t'ailles réparer tes conneries. Si ça continue comme ça, ils partiront jamais. Allez, un dernier au revoir. Au revoir! Et il n'y a plus de barrière à l'entrée du village. Et l'univers tremble tout entier. Je sais pas si vous êtes de l'autre côté, mais hop, on y retourne. On retourne à Val et on va essayer d'utiliser. Ici. Dans les objets, la perle Larcin. Alors, l'étoile de Mars. Élément feu, nécessitant 5000 trilles, ok, la perle Larcin donne attraper si équipé. Ben voilà! Et pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce que je me souviens qu'il y a un arbre
dans le village avec quelque chose qu'on peut attraper. Et donc on va aller faire ça. Toujours pas par là. Un jour je me souviendrai de comment est organisé ce village. Je crois que c'est par là. Je crois que c'est pas par là. Par là? Peut-être. Allez. Oui, on perd du temps pour aller chercher un objet que j'ai vu une fois. Dans... Non. Ah ah, je le savais. Alors, du coup. Attraper. Ah, faut viser. Mon point faible, il faut viser. Je trouve. Il doit y avoir un moyen d'assigner des raccourcis. Et ben voilà! Facile. Alors, assigner à L. Alors, L. Et ça, c'est R. L. Attraper. Voilà. Toi, t'as quoi? T'as un truc pour faire des boules de feu, c'est ça? Déplacer. Et bah, tu sais quoi? On va faire ça. On va s'en servir beaucoup, je pense. Tac. Voilà. On déplacera. Et maintenant, hop, on a piqué un objet. Une noisette. Tout ça pour Peanut. Allez, la vanne était facile. Allez, on y retourne. Est-ce que les gens ont quelque chose à dire? Je ne reverrai plus Lina se tenir ici. Ok. Allez, ciao tout le monde. On peut peut-être aller dire au revoir à maman correctement cette fois-ci. C'est par où? C'est par là. Et oui, c'est ici. Et elle a pas réparé le toit. Attends. Qui es-tu? Tu ne peux pas être Vlad, non? Bah si. Vlad, c'est un mensonge. Il a promis de pas revenir avant d'avoir accompli sa mission. Mon Vlad tient toujours promesse. Casse-toi. Ok, maman. Bon, en fait, maman, c'est Mad Alton. Si vous avez pu regarder les Lucky Luke... Et les dessins animés, les Dalton, c'est-à-dire que vous êtes suffisamment vieux pour vous en souvenir. Je trahis mon âge. Eh bien, vous savez de quoi on parle. Alors, est-ce que ça vaut le coup de prendre de l'équipement? Bienvenue, nous avons tout ce qu'il vous faut. Donc elle, alors des reliques. Ouais, pas de rareté en ce moment. Les reliques de mémoire, c'est quelque chose qui va être vachement intéressant. Donc de l'herbe pour se soigner, hein, 50 PV, j'en ai combien? J'aimerais bien savoir. De l'antidote, j'en ai pas encore, mais je vais en trouver. Réparer, c'est pour réparer l'équipement. Et il y en a un qui vend des armes ici. Alors, une épée longue. Ah ouais, l'épée longue, elle est mieux. Mais j'ai pas beaucoup d'argent. Une épée courte, c'est ce que j'ai, je crois. Voilà. Une masse. Un bâton. J'ai pas de bâton pour l'instant, mais j'en trouverai sûrement un autre plus tard. Un bâton. Quelle chère tata. Une chemise. Non. Un gilet de voyage. Ok. Une robe pour personne. C'est un peu sexiste. Les garçons aussi devraient avoir le droit de porter des robes. Ça devrait se représenter sous la forme d'un kilt éventuellement. Un chapeau. C'est important. Aucun d'entre eux n'a de chapeau. Et ben on va mettre un chapeau. Voulez-vous l'équiper maintenant? Oui. C'est super plein de temps. Voilà. Oui. On va prendre quelques équipements de base. Je suis sûr que je vais en trouver dans 5 minutes. On parie. J'ai toujours le chic pour ça. Je m'équipe bien au début. Et ils ont déjà des gants. Un bouclier. Ah ouais, c'est à la place du gant. Soit t'as un gant, soit t'as un bouclier, t'as pas les deux. Tu sais quoi? Tant pis. Gilet de voyage. Tu sais quoi? Allez, hop. Hop, on se barre. Est-ce qu'il y aurait pas de l'argent qui traîne là-dedans? Des fois. On a déjà trouvé de l'argent dans une jarre. Pour ceux qui ont joué à Pokémon. Référence. Allez.
partons à l'aventure et corriger les âneries qu'on a commises. Je vois quelque chose qui vole par là-bas. Le jeu m'indique qu'il faut que j'aille le voir. Là-bas, la forêt. Un zombie. Ok, donc en dehors du village, il y a des zombies. Ils vivent dans un monde sympa. Allez, on va voir ce que ça donne d'attaquer simplement le zombie. Les zombies sont donc résistants, mais pas rapides. Mais ils font mal. Okay. Il peut y avoir un moyen de savoir la vie qui reste aux zombies. Garde de niveau 3, gagne des pp, des machins, des bidules. 8 pièces d'or sur un zombie, hein, ça va avoir le coup. Donc bonjour, qu'est-ce que tu es? Oh! Un guerrier itinérant! Et je vois que vous êtes un mystique. Vous êtes tout à fait le type de personne que je cherchais. Ça tombe bien qu'on te trouve juste à côté de notre village. Puis-je vous accompagner? Ah oui? Je suis un djinn de Vénus. Je m'appelle Silex. Donc djinn de terre. Je cherche mes amis. Nous avons été séparés les uns des autres pendant l'éruption. Vous pourrez peut-être m'aider à trouver, à les trouver pendant votre périple. Si vous me laissez venir, je me rendrai très utile. Qui a pensé? Attrapez-les tous. Levez la main. Votre synergie grandira et vos pouvoirs mystiques s'accroîtront. Le français, c'est difficile. Vous pouvez nous appeler en combat ou nous utiliser pour devenir plus fort. Si vous appelez plusieurs d'entre nous en une fois, nous unirons nos pouvoirs. Union. Qu'en pensez-vous? Je peux vous accompagner? J'aime bien le jeu qui te laisse le choix. Bah oui. Ah, vous verrez, vous le regretterez pas. Silex, le djinn de Vénus, est devenu l'allié de Vlad. Je vais maintenant vous expliquer comment utiliser les djinns. C'est bien le tutoriel. Après avoir accepté un djinn dans votre groupe, il faut le lier. Pardon. Musique. Hop. Et il fait tout seul. Pour donner votre djinn, déplacez-le comme cela. Donc, clic. Je ne touche pas à la manette. Hein. Hop, voilà. Après avoir choisi de récupérer le djinn, vous pouvez le lier. Lier. Ok. Lier un djinn change vos caractéristiques et peut changer votre classe. Ok. Donc, il passe de garde à brut. Ok. Quand votre classe change vos... synergie peut également changer. Ok, c'est pratique. Voilà comment on va faire pour avoir des nouveaux pouvoirs. Voici comment nous utiliser au cours d'un combat. Ok. Ok. Chaque djinn a des pouvoirs différents. Une fois liés, vous pouvez utiliser nos pouvoirs. Laissez-moi vous montrer mon pouvoir, Vlad. Ok. Fait voir comment on change. Tac. Et on combat un zombie. Initiative est pour. J'ai toujours pas le contrôle de la manette. Choisissez cette option pour m'utiliser en combat. Ok. J'imagine qu'il y aura une option en plus, vu qu'il reste un carré en plus disponible. Attention. Frappe capable de fendre la pierre. Attention. Ah, mais par contre, quand on l'utilise, les stats baissent. Ah, il faudrait être malin. C'est tout ce qu'il faut savoir pour utiliser un djinn lié. Et toi, tu défends. Ok. Et boum. Ah oui, attaque de Silex. Boum. Si vous m'utilisez, j'attaque avec mon fan la pierre. Oui. Après avoir été utilisé, je serai prêt à être invoqué. Ok. Ah, bah là, voilà la dernière option. Invoqué. Avec plusieurs djinns en attente, vous me invoquerez des puissantes magies. Faut les utiliser pour pouvoir invoquer ensuite. Donc là, pour l'instant, on invoque le pouvoir élémentaire de la Terre, Vénus. Toi, tu gardes parce que tu sers à rien pour l'instant. Et boum. Ok, c'est efficace. Pas d'XP, pas de... Hein, combat scripté. Nous pouvons être très utiles, hein. Dernière chose. Ouais. Après avoir
été invoquer le djinn doit récupérer pendant quelque temps. Ah, c'est marqué, il récupère. Après avoir récupéré, nous lirons à nous. Nous nous lirons à nouveau, prêts à agir. Ah oui, puis la perte de stats dure un temps, ok. Nous sommes liés, puis en récupération, et à nouveau liés. C'est la méthode la plus simple de nous utiliser. T'as tout compris? Ouais, on va dire que oui. Ah oui, si tu veux en savoir plus sur les djinns, va dans l'aide, ok. J'aime les jeux qui cassent le quatrième mur. Hop, select pour l'aide, ok. Ok, viens avec vous, merci beaucoup. Servez-vous de vos djinns un maximum. Le djinn de Vénus, Silex, rejoint Vlad. Ok, c'est pas mal. Du coup, hop, ce qu'on va faire, c'est que le djinn, je vais le donner à Gareth, parce que je crois que si on regarde les statues, on peut voir que lui... On regarde les détails. Où est-ce que c'est? Ah non, lui, il a plutôt du feu. Il y avait une histoire. Comme quoi, ils étaient plus ou moins liés à certains éléments. Mais du coup, je ne le retrouve plus. Hop. L'affinité avec les éléments. Donc en fait, si Vlad est bien plus affilié à la Terre, au reste, on va garder Silex sur lui, et on va sauvegarder, ce qui me permet de faire quelque chose de super top. C'est-à-dire, hop là. Et voilà. C'est le bon moment. Hop. On se quitte. Si vous êtes sur YouTube, on se revoit très bientôt. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dites-moi le moment que vous avez préféré dans la vidéo jusque-là. Et on se retrouve pour la partie suivante dans très peu de temps. Voilà, bisous. Et on revient ici pour repartir dans quelques instants. Et on est reparti pour la suite de cette aventure. Hop là. Non, Golden Sun. Je marche un peu. C'est pas mal à faire bouger. Je vais vous rendre malade si je fais ça. Eh ben écoutez, hop, on va courir en suivant le chemin. Ou pas. On va aller dans la forêt. Vermine, chauve-souris. Avec quoi? Hop. On va tout faire flamber. Tout secouer. Et les monstres sont déjà plus costauds. Ah, mauvais calcul. Non, c'est bon. Ah oui, les monstres sont carrément plus costauds que dans le village. Ok. 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 Ça fait beaucoup de pépés, mais l'avantage c'est qu'on récupère les pépés naturellement. Non, rien ici. Des zombies dans les plaines. Ok. On va y aller à fond, de toute façon on a plus de 50. Hop, on va y aller vite fait avec des attaques simples. Oût. Voilà, on a récupéré de l'herbe pour se soigner. Oui, je vais passer les combats assez vite en général. Apaisement. Ah oui, il se soigne. Genre, t'as cru qu'on allait être d'accord avec ça, toi? Non, pas tout, tout, du coup. Coup critique. Hop. On va être riche à la fin. Autant quand on voit qu'un
Un chapeau coûte 30 pièces d'or. L'inflation, les gens, l'inflation. Oh, bas, gauche, droite. Allez, on tente. Ah, une apparition. Dans ce jeu, on peut taper les apparitions, c'est pratique. Bon, elles peuvent taper aussi. Alors, hop. Lui va se soigner et lui, il va faire flamber l'apparition. Hop. Bon, voilà, c'est ça. Vlad est plus rapide que Garrett. Hop. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire des choses comme ça plus souvent. Hop. Et voilà. Le feu. Ou faire flamber. Un village ou une grotte? Allez, renseignons-nous sur la grotte avant. Ah, pardon, excusez-moi. Hop. En fait, j'ai pas regardé, mais ça fait quoi les noisettes? 200 PV. Les écureuils dans ce monde doivent être méga tank. Bonjour, je veux passer. Bonjour, je peux pas passer. Qu'avez-vous? Vous voulez entrer dans l'Oompa? Oompa, l'Oompa. Non, c'est pas la même. Vous pouvez pas. Repartez là d'où vous êtes venu. Allez. C'est l'Oompa. Vous ne pouvez entrer sans autorisation. De Dodonpa. Ok. Vous savez ce qui ressemble le mieux à un passage, à une entrée cachée dans un village? La grotte à côté. Caverne Oompa Ouest. Bonjour de l'eau. Il ne peut rien faire avec l'eau. Oh, c'est bloqué. On parie qu'il y aura des chauves-souris. Un bouton. Là, d'appui sur l'interrupteur. Bah non. Attendez. Déplacez. Non. Bon, bah écoutez. Hein, c'était la mauvaise idée. Hop, on est reparti. La. Non. Et on va les faire cramer des vermines. Du coup, on va les secouer un bon coup. Et les flamber pour faire des kebabs. Kebab de souris. Cool. Le kebab se défend. À faire. Hop. Boum. 12 pièces d'or. Bon alors, c'était pas par là. Je pense qu'on va beaucoup entendre le thème des combats dans ce jeu. Bon, bah cette fois-ci, c'est évident. Oula. Oulala. Nous ne pouvons pas rester un instant de plus dans un endroit aussi dangereux. Retournons à Calais. Heureusement qu'ils ont mis un cas. Des vitaux. Maître Ahmed, c'est terrible, le pont a été détruit. Nous ne pouvons pas aller vers le sud. Quoi? Le pont? Bah ouais, le pont. Quelle trame! Comment allons-nous retourner à Calais? Maître Ahmed, je n'aime pas trop laisser Yvan derrière.
Même si je l'aime bien, c'est de sa faute si mon bâton a été volé. Ah, le bâton. Ses pouvoirs étranges l'aideront à retrouver le bâton. Yvan a des pouvoirs étranges. Oula. Un gros caillou. Grosse boule de glace. Quittons ce lieu maudit immédiatement. Pour où? Où aller? Nous n'avons pas le choix, il faut aller au nord. Eh oui. Si nous allons au nord, nous passerons par l'Umba. Ça vaut toujours mieux que de se faire broyer par des rochers ici, non? Argument logique. Hop, et la caravane repart. Ce qui est bien, c'est que de là où on était, hein, donc à des kilomètres, on a pu entendre toute cette conversation, ce qui est tout de même très pratique. Les gens parlent très très fort dans ce monde, apparemment. Bonjour. Bienvenue à Vault, village du cœur d'Angara. Ok. Y a des trucs à piquer chez vous? Ah tiens, j'avais besoin de refaire le stock de PP. Ce rocher a été projeté par le volcan jusqu'ici. Bizarre, non? Il brille autant qu'une gemme. Trop. Viens de le groupie. Oui, bibliothèque. Il y a un livre intitulé Histoire de Vault, volume 1. Le nom du village viendrait de son isolation. Oui. Bonjour madame. Si seulement ces rochers étaient des joyaux, je serais riche. Capitalisme quand tu ne t'y tiens. Stop. L'homme examine les rayons. Il y a un livre intitulé Joyaux d'Angara. Il ne dit rien au sujet du joyau sur la table. Et oui, parce que nous on sait d'où il vient. Il vient de notre maison. Et voilà cette pièce. Boum. Hop, on a volé vos économies. On se barre. Bonjour madame. L'éruption du monde alpha n'est-elle pas incroyable? J'ai eu si peur que je n'ai pas dormi pendant des jours. Ouah, il s'est déjà passé des jours. Bonjour, avez-vous de l'argent caché? Non, ça c'est une boîte en bois. Ça c'est le sol. Ou rien. Mon voisin me fait peur. Il a toujours cette attitude pleine de suffisance. Eh monsieur, c'est sympa d'avoir de voir des endroits nouveaux. Plutôt, ouais. Quand je serai grand, je serai aventurier et je dormirai dans une tente. Ok. Pas le droit. Il y a une pomme sur la table, mais j'ai déjà essayé de voler des trucs sur les tables et ça ne marche pas. Un puits, on tentera de tomber dedans. Ces voyageurs sont partis bien vite. On aurait dit des fuyards, vous les avez vus entrer ici? Non. Ils ont dû partir plus rapidement que je le pensais. Oh, il y a quelqu'un qui est tout violet là-haut. Une roche ardente a fait un trou dans le plafond. Et c'est toujours moi qui dois tout réparer. Voilà, ça tu veux, je peux le faire. Je suis très très fort pour ça. Bonjour, je vous bloque les enfants. Ce pauvre Yvan. Ils l'ont laissé chez le maire pour chercher le bâton volé. C'est important. Oh, faut que je cours plus vite. Oh, je vais la rattraper. Ouais, je l'ai eu. Oui, je pouvais aussi simplement sortir du cercle et revenir, mais non. C'était plus rigolo comme ça. La caravane de Maître Ahmet est partie dès la fin de l'éruption. Je suppose que ce volcan lui a fait peur. Oui. Ah. Vers le puits. Vous entendez de l'eau couler. Dans un puits, c'est quand même bon signe. Bonjour. Vous partez à l'aventure? On est déjà à l'aventure. C'est impressionnant de voir des jeunes comme vous partir comme ça. Ok. Ou un temple. Le prêtre doit être inquiet au sujet de... Ah, oublie, c'est pas ton problème. Bonjour monsieur le vieux monsieur le traître. Bienvenue voyageur, quel type d'aide puis-je vous apporter? On peut ressusciter dans les temples. Pratique. Pratique. Et bien comme ça, si jamais on meurt, on sait où aller. Purifier. Il y a des objets maudits qu'on peut purifier. Repousser. Délivrance. Ok. Qu'est-ce que c'est?
Délivrance, donc. Enlever un objet maudit, c'est bien ça. Ok. Ne vous inquiétez pas, aucun de vos amis n'a d'objet maudit équipé. Ok. Ah, ça va être parmi les reliques ou les objets qu'on peut trouver dans le monde. Des trucs maudits, ça marche. Alors, repousser. Vous avez besoin d'un exorcisme. N'ayez crainte, aucun de vos compagnons n'est hanté. Ah, on peut se faire hanter. C'est pas mal aussi. Et donc purifier, un antidote pour du poison ou du venin. Ok. Eh ben non, merci pour l'instant. 404. Money not found. Hop, l'auberge non. Donc, l'apothicaire. Est-ce que tu aurais des choses? Un vieux. C'est moi ou j'ai raté quelque chose? Ok. Papy se demande toujours si quelque chose a été volé pendant l'éruption. Il ne réalise même pas qu'on n'a rien de valeur à voler. Ah, effectivement. Toujours pas. Bienvenue, nous avons tout ce qu'il vous faut. Les mêmes choses que d'habitude. Si, relique. Mince, je vais y arriver. Promis. Aucune rareté en ce moment. Merci, au revoir. Hop. Épée bouclier pour acheter de l'équipement. Donc on est un tout petit peu plus riche, on va peut-être pouvoir acheter. Rien. Je vous dirai tout sur les armes. Parce que j'ai une moustache. Tiens, on peut réparer. D'accord, donc nos objets. On peut casser l'herbe. C'est beau. J'imagine que non, mais ça me fait rire. Alors, tac. Donc lui au niveau des armures. Bah écoutez, on va prendre des gilets de voyage. Tac. C'est cool, il permet tout de suite de racheter l'ancien équipement. C'est cool. Tac, tac, tac. Hop. Ça c'est bien. Tac. Hop. Tac. On va s'équiper tranquillement. Oui. Hop. Ou des bracelets de cuir. Non utilisables. Ok, c'est pas pour nous. Ça, on a déjà une tiare. Oh, on peut les transformer en princesse. Non. Sexiste. Alors, les armes. Ouais, non, l'épée longue, par contre, faut pas abuser. Ah, une hache. Oui, ben, tant pis. Hop. Ça coûte cher. Je suppose que des gens ont profité du chaos de l'éruption pour voler. Grosse ambiance dans le village. Le serviteur de Maître Ahmet ne peut pas retourner à Calais sans avoir retrouvé le bâton. Ok. Ça, c'est quoi? C'est la geôle. Les geôles. En prison. Il n'y a personne à voir en prison. Elle est fermée. Ok, ça marche. Donc c'est par là qu'on ressort. Ça s'est visité. Ça s'est visité. Une porte. Cruel destin de mettre une porte sur le chemin. Bienvenue. La chambre vaut 8 pièces. Voulez-vous rester ici? Non. Pas besoin de dormir pour l'instant. Bonjour madame. Ces trois étrangers trompaient l'aubergiste et son épouse. C'est le genre de personne qui se croit tout permis. Comment ont-ils pu les tromper? Nos clients n'étaient pas dans leur chambre pendant l'éruption. Par la suite, nous avons fouillé la chambre sans rien trouver. Ok. Donc ils n'ont pas retrouvé leurs meubles, leurs lits. Hop. Non, je voulais vérifier là. On va y arriver. On voit rien dans le baril. Donc non, c'est juste des gens qui sont violets comme ça. Nous n'avons rien fait. Vous n'avez pas le droit d'accuser des gens innocents sans raison. Ok. Cet Ivan, il me fait peur. Il est venu et m'a attrapé le bras. Je l'ai repoussé car il me mettait mal à l'aise. Ok. Délit de faciès. On va y arriver, hein.
Bon bah je pense que Yvan est un personnage important dans cette histoire. Et qu'il va falloir aller trouver Yvan. J'imagine que c'est la maison du chef du village. Et si je vais... Non, il n'y a rien dans cette jarre. Donc hop, je vais faire le tour, parler à cette personne en violet. Vous nous accusez d'avoir volé le bâton de Hamet ? Non, j'en sais rien, j'y suis pour rien moi. Ah bien sûr, je savais que vous étiez trop malin pour croire des rumeurs. Mais c'était pas nous, nous ne savons même pas ce qui a été volé. Bah si, le bâton de Hamet. Tu viens d'en parler. Aïe. Hop, on fait le tour. Coucou chien, qu'est-ce que tu as à nous révéler ? Rouf, rouf. On peut examiner les tombes. Oh, celle-là, elle est spéciale. Je vais y arriver. Promis, je vais y arriver. Non, de ce côté-là. Non. Ouais. Et y'a rien. Allez. Est-ce qu'on peut toujours sauter les petites... Ouais. Bonjour, monsieur. Personne ne vole pendant ma garde. Je suis sûr que les voleurs sont encore ici. Ils doivent être là. Personne ici ne commettrait un tel acte. Où ça ? Tu n'es pas un bon garde. Pousse-toi. Hop. Et toi là-haut. Ouais. Vous voyez le djinn comme moi. Maître Hamet, un riche propriétaire terrien et marchand de Calais, s'est fait voler son bâton. Il était très en colère. Je peux faire sonner la cloche ? Non. Ok. Pas foutre le zbeul ici. Hop. Faut que je fasse le tour si je veux... J'ai compris. Si je veux aller voir le djinn, allez, pousse-toi. Il va. Si je fais le tour par là, chien. Est-ce que tu m'empêches de regarder cette tombe ? Oui, toujours. La tombe sera donc importante pour plus tard. Parce que si je me déplace par ici, je sors forcément. Ok. Donc définitivement, on va devoir revenir par ici pour plus tard. On va devoir passer par un souterrain pour arriver de l'autre côté. Bonjour madame. Mon mari, le maire, ne pense pas qu'un habitant de Volt soit le voleur. À moins qu'on trouve qui a volé le bateau, Yvan ne pourra pas retourner à Calais. Bon, j'imagine que c'est Yvan, c'est le seul qui a un design particulier. Bonjour monsieur le maire. Attendez, vous avez des livres. On dirait qu'il n'y a rien de bien nouveau ici. Bon, tant pis. Pouvez-vous aider Yvan ? Ah c'est cool. Mais j'aurais bien aimé plus de contexte. Yvan a de grands pouvoirs, vous voulez savoir lesquels ? Bah oui. Non, c'est notre secret. C'est inutile. J'aurais aidé Yvan si j'avais quelques années de plus. Mais tout autant inutile. Bonjour, personnage principal de l'histoire. Télépathie. Oh. Oui, je possède d'étranges pouvoirs. Et les yeux violets. Télépathie. Tu les as toi aussi, n'est-ce pas ? Télépathie. Quoi, mon pouvoir s'appelle Psynergie, je le savais pas. Nous avons tant en commun, je pense que je peux te faire confiance avec ça. Rapide, efficace. Ça m'ennuie beaucoup que le bâton de Maître Hamet ait été volé. Vous m'aidez à récupérer le bâton de mon maître. Allez, ouais. Merci, à nous trois, je pense qu'on pourra récupérer le bâton. Vous vous appelez... Vlad et Karek, je suis Yvan, enchanté. Si tu pouvais arrêter... Voilà, si tu pouvais arrêter de lire dans les pensées des gens et parler, juste. Ma capacité à lire dans l'esprit des gens vous effraie, non ? Ah, j'avoue que... Il va falloir qu'on t'explique un petit peu le concept de consentement, mec. Suis-je ? Ma télépathie est si effrayante. En soi, non. Yvan et Vlad... joignent leurs mains. Télépathie.
esprit, arrête de lire mon esprit, Yvan. Il y a mon historique internet dedans. Ah. Alors, Vlad, peux-tu lire l'esprit de Gareth? C'est ce que je pensais. Quoi? Tu lis aussi dans mon esprit, Vlad? Je pensais vous aider à lire les esprits. Partageant nos synergies. Eh, c'est pas juste. Pourquoi c'est toi qui lis en moi? T'as raison, c'est pas juste. Si c'est à sens unique. Yvan et Gareth joignent leurs mains. Télépathie. Ah, ça a marché. J'ai lu dans ton esprit, Vlad. Utilisons télépathie pour trouver les voleurs. Attends un instant. On peut savoir si on utilise la télépathie? Oh, je vois. Vous sentez lorsque je me sers de ma synergie. Gareth et toi, t'es mystique. C'est pour ça que vous savez quand je lis dans vos esprits. Les gens normaux ne peuvent rien deviner. Y'a pas de soucis. C'était bien la peine de vivre reclus sur une montagne avec un volcan dessous. Vous inquiétez pas, je lirai plus dans vos esprits. Yvan a rejoint votre groupe. Laissez-moi lire l'esprit des villageois pour trouver le bâton. Du coup... Non. C'est bien là, si... Alors, tourbillon, donc lui, il est affilié au vent de base. Télépathie, lit l'esprit. Oui, bon, évidemment. Voilà. Et du coup, on va changer ça pour que... Hop. J'ai envie d'aller dans le menu à chaque fois. On va utiliser télépathie sur les enfants. Ces gens ont l'air bien serviables. Yvan a de la chance. C'est gentil. On pense hautement de nous. Je me demande ce que peut dire un animal, quel bois fantastique. Ah, le toutou. Le toutou. Hé, ça chatouille. Se faire chatouiller par un garçon, c'est beauf. Ok. Peut-être trouvant-il notre héritage familial en cherchant. Cette urne me manque. Papy. Trop bas. Eh bien écoutez, avant d'aller lire dans l'esprit du toutou pour qu'il nous révèle son secret, on va aller se mettre ici. Sauvegarder. Hop là. Et c'est le bon moment pour aller faire un petit tour du côté d'une pause. Si vous avez regardé jusque là sur YouTube, que vous reprenez, et ben merci d'avoir regardé. Pour ceux qui sont en live, on reprend dans quelques instants. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, dites-moi votre moment favori dans la vidéo, et puis on se retrouve très très vite avec du thé. C'est bien, faut s'hydrater, c'est important. Allez, à plus. On en profite. Petite pause. Il est encore chaud, c'est parfait. Et on est reparti. Hop, on reprend exactement là où on s'était arrêté et on va lire l'esprit du chien. Frôlé au beau milieu d'une éruption. Ouf. Les humains préfèrent l'argent à leur propre vie. Ouf. Et du coup, ruf ruf. Donc non, en fait, ça servait à rien de prendre le temps d'aller lire l'esprit d'un toutou. Bon, et ben toi, on dirait qu'ils nous ont repérés. Oh, mon Dieu, les gens qui étaient en violet bizarre. Nous ferions bien de partir ici le plus vite possible. Ils étaient donc coupables. C'est fou, ça. Qui l'eût cru? Pauvre Yvan, peut-être ne retrouvera-t-il jamais le bâton. Dans ce cas-là, il n'aura qu'à rester ici. Ça ressemble à une punition. Bonjour madame, personne ne devrait voler quelqu'un pendant la panique d'une éruption. Donne-la. Ah. Ah, pousse-toi. Je vais faire un tour.
Il y a une personne à qui je n'ai pas encore... Deux personnes à qui j'ai pas encore lié l'esprit. Bonjour. Tout le monde sait que ce sont les trois de l'auberge qui ont volé le bâton. C'est si frustrant. Eh oui. T'as besoin de preuves, hein. Un Sherlock. Il y a un truc caché là. Ou c'est une feuille. Non, je me suis bloqué sur un pixel. Bonjour. Aujourd'hui, on lit dans les pensées. Pourquoi un homme riche comme Ahmed remue ciel et terre pour un bâton? Il a suffisamment d'argent pour en acheter un autre. Oui, mais son bâton, c'est son bâton. C'est le sien à lui. On retrouvera peut-être l'urne. Hop. Plus tard, on va aller lire l'esprit des enfants. Là, on a lu l'esprit de tout le monde ici. Les prêtres, est-ce qu'ils pensent à quelque chose? J'étais sur le point de quitter la ville lorsque le volcan a grondé. Ok. Et toi, ta foi, elle est comment? Je me demande si nous reverrons notre statuette en or un jour. Ah oui, effectivement, ils ont volé plein de trucs. Pousse-toi. Continuez, si ça peut vous alléger l'esprit. Lui, il est au courant. Lui, il sait ce que ça fait. Toi, tu penses à rien? Si. Réparer le toit? Pourquoi payer un charpentier alors que je peux le faire moi-même? Tu te plains, mais tu préfères faire toi. Bonjour. Je parie que ce sont les trois types de l'auberge qui ont volé le bâton. Non. Bon, cette fois-ci, on va être malin. Hop. Raté. Bouge plus. Je suppose que l'argent n'est pas important s'il ne peut pas vous sauver d'un volcan en éruption. C'est vrai. C'est vrai. Pensez des vieilles personnes. Ce groupe de voyageurs était plutôt louche, non? Je crois qu'il se dirigeait vers le nord de la chaîne de Goma. On apprend un peu plus sur la géographie du monde. L'éruption du mont Alpha était incroyable, c'était effrayant. Nous avons eu de la chance d'y survivre. Pas beaucoup plus d'infos que ce que tu nous as dit la dernière fois. Je suppose que ces enfants ne peuvent rien faire depuis l'éruption. Ok. Bonjour. J'envahis ta tête. Les autres rochers de ce genre sont tous désagrégés. Ah. Mais celui que j'ai trouvé sur le toit est... Mais quelle chance! Ok, monsieur, voyons voir ce rocher. Ok. J'aurais pensé qu'il aurait des pensées plus capitalistes vu sa dernière interaction. Eh, peut-être c'est mon voisin le voleur. Ouais. Toi, tu files un mauvais coton à suspecter ton voisin. Je me demande à quoi ça ressemble dehors. Alors, regarde, la porte est là. Bon bah c'est parti pour aller. Hop. Bonjour madame l'aubergiste. Ce volcan a fait chuter nos affaires et maintenant c'est vol. Ces trois là nous paient bien. Oh, ils payent. Je les aiderai en cas de pépin. Oh, elles risquent de mentir au procès. Soit c'est terrible si nos hôtes étaient en fait des voleurs. Oh mec, ça arrive, hein. Le maître et sa femme sont aveuglés par l'argent. Ça. Ils auront des ennuis s'ils n'aident pas à trouver les voleurs. Eh ben, ils iront en tôle avec le reste. Bande de collabos. Cutscene. Que voulez-vous? On dirait qu'il y a ce gamin bizarre avec eux. Je veux dire machin, ça marche aussi. Je le supporte pas, ne le laissez pas s'approcher. Bonjour. 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 Ok, on va jouer à chat. Oui. Ah. Ils ont l'air louches, quelque chose cloche. Tu peux pas utiliser ta télépathie s'il te fuit, non? Eh oui, c'est ça le problème. N'y a-t-il pas un moyen de les attraper? Peut-être que nous en pourrions en encercler un. C'est vrai que... vous inquiétez pas, ça va marcher. Là, tu passes devant. Ok, les gars. Hey, ils sont de retour. Ils viennent en un contre un. Qu'est-ce qu'il faut pour les tenir à l'écart, comme avant? Bonjour.
beaucoup. Oh, je suis encerclé. Maintenant, Yvan. Viens. Télépathie. Coucou, Barbic. Oh. Réunion à midi. Ils sont pas sympas au boulot. Qu'est-ce que c'est? Que fait-il? Ah, il le sent en plus. Il a fermé les yeux. Que fait-il? As-tu terminé, Yvan? Ah, bon bah si c'est pour une asso. Transition. Qu'as-tu appris, Yvan? On les a laissés filer comme ça. Ce sont eux. Je pense qu'ils ont pris tout un tas d'autres choses. Une urne, une statuette en or, un bâton. L'os du chien-chien. On dirait qu'ils les cachent dans cette auberge. Oh. Mais ils ne me laisseront plus les approcher. Bah oui. On dirait que nous n'avons d'autre choix que de fouiller l'auberge. Oh, dis donc. Laisse-nous faire. C'est pas comme si j'avais déjà fait ça 5 fois. Vlad s'en sort toujours. Eh bien, le revoilà, le Salagnan. J'ai confiance en ton sens du devoir. On a confiance en ton sens du devoir, Salagnan. Bien, c'est décidé. Allons-y, Yvan. Hop. Alors. Oh, arrêtez. Bon, bref, ils ont caché des trucs dans les lits. Derrière les pancartes. Sur les racks. Bon, dans les caisses, à tous les coups. Hop. Alors, hop, hop. On ne trouve rien dans le baril, dans les plantes. Ils n'auraient pas osé. Non, manifestement, il n'y a rien dans les plantes. On trouve rien dans les jarres. Une boîte en bois, mais on ne trouve rien. Dans les bouteilles d'alcool, non plus. On ne veut pas l'ivresse. Mais on ne trouve rien. C'est fou, parce que je l'ai déjà fait 5 fois, ça. Mais ça veut dire que eux, ils sont complices. Dans le camp, enfin, je suis nain, 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 j'ai essayé de trouver un cas de pépin. Non. Rien. Trouve rien. Trouve rien. Non. La femme de chambre, l'employée. Elle a disparu. Ah, c'est pas possible. C'est caché dans l'auberge, mais. Les effets de couleur arc-en-ciel. Ah, j'ai trouvé de la menthe. Pratique. Alors, ça là, c'est qu'on utilise de la magie. Tut-tut. Et ça, c'est quand on voit l'esprit des gens. On lit dans leurs pensées. Voilà. Tut. Donc ça, c'est l'aubergiste. Mais il paraît que les voleurs ont caché les trucs dans l'auberge, mais... Malheureusement, il n'y avait rien dans l'auberge. Il doit être en train de réparer le toit, mais je ne le trouve nulle part. Il doit être en train de faire la sieste. Ce vaurien, il perd son temps au lieu de réparer le toit. D'accord. Et du coup, ça veut dire que je rentre là... Ah. Alors, j'ai bien fait de garder la magie déplacée. Non. Je peux pas utiliser déplacer quand je suis sur une échelle. Je peux pas passer par là. Est-ce que je peux tomber dedans? Non. Non, utiliser la télépathie sur une caisse. Ça n'a jamais trop marché. Je trouve l'autre entrée maintenant que j'ai découvert ce secret. Il doit y avoir un deuxième étage. Ou alors il y avait une porte que je n'ai jamais vue. Voilà.
toi, je t'ai déjà parlé, t'as rien de plus à me dire. Depuis ? Ok. On sauve le monde. Effectivement, Barmic, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu ? Pour faire simple, les enfants, notamment Vlad et Gareth, se sont aventurés dans le temple perdu. Il y a des cailloux qui tombent, c'est un peu ça. Le problème, c'est que dans le temple perdu, ils y sont allés avec un vieux monsieur, dont on n'a pas entendu parler depuis d'ailleurs. Ils ont résolu des énigmes. Si t'as pas suivi sur YouTube, c'est le bon moment. Et du coup, leur ami d'enfance a été capturé après avoir appris que son frère en réalité n'était pas mort. Truc de fou. Mais qu'il avait rejoint le groupe des méchants qui veulent récupérer les pierres élémentaires et détruire le monde. Et avec toutes les étoiles élémentaires, ils veulent réveiller l'alchimie en mettant les cailloux élémentaires dans un truc qui s'appelle un phare. Voilà. Alors maintenant que j'ai compris où était caché le butin des voleurs, je ne sais pas comment y accéder. Voilà, hein, on est d'accord. Donc il faut retrouver l'autre qui fait la sieste. J'ai compris. Alors, est-ce qu'il serait pas allé faire la sieste dans la prison ? Non, mais ça aurait été marrant qu'il y soit. Hop. Allez, où t'es passé le fainéant là ? Il est pas là. Une petite, si vous entendez aussi les problèmes de son. Tadala. Toi, est-ce que tu sais? Bon, ok. Serviteur de maître Amenel, ne pas retourner calé, ok. Cherche l'autre espèce de fainéant, ouais. Pas votre fils. Coucou le chien, t'auras des choses à me dire. Donc non, toujours pas plus d'infos. Tout. Tout. Hop. Hop. Il y a un djinn caché là, je veux aller. Lui est très en colère. Ding ding ding. Ah 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 ah. Je savais qu'on pouvait le faire bouger celui-là. Donc là, il y a un djinn à aller récupérer. Je sais toujours pas comment on va faire, mais. Est-ce qu'il faut ressortir de cette grotte ? On va aller le chercher. J'ai pas encore trouvé comment faire, mais. Donc oui, les djinns sont des esprits élémentaires, tu vois, pour Barmic qui débarque. Hop. Ils sont liés aux étoiles élémentaires, ce sont les gardiens des étoiles élémentaires. Et une fois qu'on aura récupéré tous les djinns, on pourra sauver le monde. Je crois pas qu'on soit obligé de tous les récupérer, mais c'est les djinns, c'est les créatures, voilà. Que quand on les équipe, ça donne des boosts de stats. Voilà. Quand on les utilise en combat, on perd le boost, mais on fait une super attaque. Ici, frappe capable de fendre la pierre. Si je refais Salex, voilà, hein, les bases de notre univers, les esprits élémentaires sont appelés djinns. Voilà, c'est une blague que je n'ai pas voulu faire. J'ai bien fait une blague sur les vis et autres marques, mais effectivement, t'as un boost quand tu mets un djinn. Boost en confiance, dans ton cas. Quand vous voyez un djinn, son élément peut changer votre classe ou vos synergies, donc votre magie,
En combat, vous pouvez libérer le pouvoir d'un djinn lié. Quand un djinn est en attente, vous pouvez l'invoquer en combat. Pour faire une invocation instantanée, mettez votre djinn en attente avant le combat. D'abord, faut faire sécher son djinn avant de l'utiliser. Soyez prudent car passer un djinn de lié à en attente peut changer votre classe et votre synergie. C'est vrai qu'un djinn change ta classe. Conseil pour tout le monde, les slims, c'est mal. Tout le monde n'a pas des jambes à mettre des slims. Essayez vos jeans avant de les porter. C'est important. Le style, c'est bien. Si vous avez un jean en attente en combat, vous pouvez l'utiliser pour invoquer. Ensuite, le jean sera en récupération jusqu'à ce qu'il ait récupéré ses pouvoirs. Un jean en récupération ne peut être ni utilisé ni invoqué. Après avoir été invoqué, un djinn rentre en phase de récup. Après avoir récupéré ce pouvoir, il se liera automatiquement à votre personnage. Si un djinn est lié à un mystique, son pouvoir peut changer la classe du mystique. Découvrez vos propres combinaisons et trouvez les meilleures classes des personnages. Et les synergies, c'est des pouvoirs psychiques, magiques, tout ça. Les gens qui ont de la magie, c'est les mystiques. La synergie change avec la classe et le niveau. Essayez de changer de classe pour gagner de nouvelles synergies. Et de mémoire, il y en a certaines qui sont pétées. Télékinésie. On dirait qu'ils nous ont repérés. Pour répartir le plus vite possible. Je cherche toujours l'espèce de fainéant qui devait réparer le toit. Ou qui répare en fait le fond du truc et que je puisse à nouveau passer. Ta-ta-ta. Voilà. Télépathie. Je me demande ce qu'ils ont laissé parce qu'ils n'ont pas d'armure onéreuse. Ok. Nos meilleures armes ont été volées. Désolé, je n'ai quelques babioles à vendre pour le moment. Oh, ça va être vraiment important d'aller chercher... d'aller chercher, du coup, le moyen de... retourner... Ah, cette caisse qui est évidemment là, quoi. Hein ? Voilà, faut maintenir appuyé. C'était tout bête. Hop. D'abord, je fouille. Je te libère après. Rien. Ah, tu m'empêches de passer, évidemment. Bon, en fait, j'ai déjà parlé à tout le monde dans la section précédente. Et du coup, forcément, là, je relis des pensées que j'ai déjà lues. Et on est dans un jeu de 2002. Ouais. Donc en fait, les gens n'ont pas beaucoup de lignes de dialogue. Vlad les libère de ses liens. Je suis venu au grenier pendant que je réparais le toit. Mais j'ai réalisé que je pouvais pas en sortir. Je réfléchissais et tout à coup, bam ! On m'a assommé depuis derrière et je me suis retrouvé ligoté. Bizarre, je me souvenais pas de toutes ces caisses. Peut-être que tous les objets volés s'y trouvent. Et oui, Sherlock. C'est un jeu de GBA, Barmic. En direct, nous avons été démasqués avec une musique de méchant. Tout, tout, tout. Oh mon dieu. Tu es bien persévérant pour un larbin de Ahmet, gamin. Pourquoi travailles-tu si dur pour Ahmet? Combien te paie-t-il? De toute façon, il s'est fait capturer par pire que nous. Hein? J'ai appris qu'il était parti pour Lumpa après l'éruption. Ah! Tu as dit Lumpa! Un homme riche comme Maître Ahmet ne devrait même pas s'approcher de Lumpa. Quel genre d'endroit est Lumpa? La ville a le nom de son fondateur, Lumpa, l'honorable voleur. Honorable voleur, c'est pas mal. Cette famille est restée honorable même quand son fils Donpa est devenu chef. Bah c'est cool. Mais le fils de Donpa, Dodonpa, est un ignoble voleur. Ah. Il est immoral. J'ai appris qu'il était perfide et ignoble. Et c'est un voleur qui dit ça, attention. Voyez, nous ne sommes pas si mauvais. On peut partir ? Non. Quoi ? Même si on rend tout ce qu'on a volé et qu'on s'excuse, ça reste un crime ? Ouais. Tu dois rigoler, nous avons gagné ça à la sueur de nos vols. L'argument n'est pas recevable. Nous allons vous faire taire définitivement. Et ben voilà. On en vient
à la méthode où vous ne nous laissez plus le choix. Et il n'y a qu'un moyen de faire ça. Yaaaaaah! Bandit, voleur 1, voleur 2. C'est le moment de combat. Fuir. Ouais, j'ai peut-être beaucoup utilisé les PP ces dernières quelques minutes. Vous savez quoi, on va commencer fort avec Vénus. Pouvoir élémentaire de la Terre. Boum. Grosse invoque. Enflé, flambé tout le monde. Ouh, il a un rayon. Une tempête EMC. Ça fait quoi ça? C'est quoi? Il lui reste pas beaucoup de points de synergie. Et ben, on va quand même utiliser le rayon. Boum. Aim. Allez, boum. Ouh, 35 PV, 42 PV, 32 PV, c'est violent. Boum, grosse invocation. Boum. L'affinité de terre de Vlad en 10. Ah, d'accord, donc plus on utilise les djinns et les invocations, et plus on augmente la... Ah, personnage dupé. Et ça ne l'empêche pas de vous cramer la tronche. Il se soigne. Je ne savais pas que les ennemis pouvaient se soigner. Toi, tu as encore plein de synergie. Tu vas donc les faire trembler dans leurs chaussettes. Toi, t'as pas de jean, donc voilà. Hein. Tu vas soigner ton copain. Et toi, t'as quoi? T'as un bâton. C'est ça. T'attaques avec un bâton. Et une tiare. Ok. Toi, t'as le droit d'être une princesse, mais pas les autres. Et tu sais quoi? On va attaquer le plus fort, le bandit. Donc, une PV. Hop, trampoline. Ouh, il toise férocement. Et Silex est de nouveau disponible. On va fendre la pierre sur la tête du gars. Donc toi, avec la fumée, tu vises pas bien. Donc il y a des chances que tu rates. Eh ben, c'est pas grave. Hop. Boum. En fait, le seul qui peut se soigner... Non, ils peuvent tous se soigner. Bon, bah, c'est pas grave. Hop. On repart sur une invocation. Mais toi, tu peux pas... Ah, ils peuvent tous invoquer, même si c'est pas... Même s'ils sont pas liés au djinn. Ok. Bon. On va s'occuper des ads en premier. Ils ont forcément moins de vie. Ah oui, Clay, il est en train de récupérer. C'est pas grave. Hop. On fait trembler tout ce petit monde. Coupe. Ouh là là. Et voilà. Silex est de nouveau lié. On va essayer de... d'abréger un peu ça. Toi, t'as plein de PV. Non, toi, t'as plus trop de PV. Ah. Tu peux te soigner. Toi, tu vas attaquer le voleur 1. Ok. On continue d'alterner. Hein. C'est le premier vrai combat où on a besoin de réfléchir, dis donc. Donc lui, sa cible est morte. Il se défend. Voleur a peur et ne peut s'empêcher de trembler. Garrett peut voir à nouveau. Cool. En fait, ça utilise... Ah, mais on peut utiliser... Non, il est en train de récupérer. Eh ben, les tremblements... Ouais. Cibler en priorité. Le petit 2. Hop. Voleur 1. Ah, ben, il est déjà mort. Donc, comme ça, hop, c'est vu. C'était pas la peine d'utiliser quelque chose. Qui ciblait 3. Oh, pff, on va faire. Hop. Voilà, boum. Allez. Un coup de bâton et c'est réglé. 66 points d'XP. Et puis niveau 4. Je maîtrise séisme. Tout garde niveau 4. Il garde mes
Donc, en tant que garde, il maîtrise feu. Ok, donc il fait juste flamber, il fout le feu. On trouve un cimetière. C'est pratique. Ils nous ont eu. Eh ben oui. Pendant un instant, j'ai cru que nous étions perdus. Ouah, on a gagné. T'as rien foutu, mec. Je vais retrouver le maire. Après tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a volé. On vous a pas dit que voler, c'est pour les nazes. Grosse leçon de vie. Voler, c'est pour les nazes. Voilà, vous l'avez entendu. C'est Garrett qui l'a dit. Je vous l'avais dit qu'on aurait dû éviter cette ville. Super. Le mal ne vaincra pas. Donnez-moi le bâton de Maître Ahmed, que je parte pour Lumba. Vers où vous dirigez-vous, Vlad? Bah écoute... Je suppose qu'on va essayer de rattraper Pavel et les autres. Télépathie, allez. C'est lui le maître télépathe dans cette histoire. Il lit nos pensées à nouveau. On devrait pas l'en empêcher. Non, ça ira plus vite s'il lit toute l'histoire dans notre tête plutôt que de lui raconter. Vas-y, serre-toi, mec. Sulti, Vlad. Je vois. C'est ce qui s'est passé. Ce sont des voleurs, monsieur le maire. Voilà les gros bras en rouge. Ce que vous avez fait est mal. Voler au beau milieu d'une catastrophe. Eh, c'est vous qui laissez vos portes ouvertes, c'était presque une invitation. Ouch. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Qu'allons-nous faire d'eux? Ah, les mettre en tôle. Facile. Ils vont moisir en prison pendant bien longtemps. Sinon, il y a un truc qu'on appelle les travaux forcés. Surtout à ce genre d'époque. Hé, hey, réveillez-vous. Allez, debout, debout. Hé, hey, vous pouvez m'aider à ligoter? Bah allez, hein. Hé, hey, toi, Vlad, je t'oublierai pas. Emmenez-les. Bon, c'est bon, on va pouvoir fouiller la pièce. Merci d'avoir attrapé les voleurs. Vous avez notre sincère gratitude. Vraiment, vous avez été d'une grande aide. Voyons voir ce qu'ils ont volé. Bah, c'est ça, quoi. C'est... Oh, l'urne. Du maire. C'est pas votre urne familiale? Mon urne, je l'ai enfin retrouvée. Ok. La statuette du temple. Statuette en or trouvé. Hé, ça vient du... Ils ont volé ça au temple. Les monstres. Les trésors de la ville, enfin récupérés. Bon bah le troisième machin, c'est le bâton. Nous allons vous trouver un autre coffre là-bas. N'est-ce pas ce que tu cherchais? Maintenant, tu peux retourner chez Maître Ahmed. C'est vrai, j'avais appris que Maître Ahmed allait vers Lumba. Lumba, Lumba, Jaguar. Oh non, Dodomba ne manquerait pas une telle occasion. Je suis sûr que ton maître s'est fait kidnapper. La ville a vraiment une sale répute. Comment pourrais-je sauver Maître Ahmed? Je sais pas. Avec des amis qui savent faire de la magie. Personne ne peut entrer lorsque les portes sont fermées. Oh! Que va-t-il arriver à Maître Ahmed? Calme-toi, Yvan. Maître Ahmed est sans doute sain et sauf. Comment tu sais ça, vieux? D'autant pas sait qu'il peut en tirer une forte rançon des habitants de Calais. Nous ne pouvons pas faire grand-chose avant que Dodonba n'agisse. Tu t'appelles bien Vlad. Et tu es... C'est Garrett.
Merci à vous, vous savez ma profonde gratitude. Bien, allons-y. C'est bon ? Non. Avant de quitter la ville, passez me voir. J'ai quelque chose pour vous. Oh ! Un sac plein d'or. Quelle pagaille, nous avons enfin récupéré le bâton. Il est toujours dans la boîte. Maintenant, ça qui nous tombe dessus. Mec, vous êtes en mission pour sauver le monde. J'aimerais te dire que, bon... J'aimerais pouvoir t'encourager, t'as l'air déprimé. Je veux juste sauver Maître Ahmed, c'est tout. Mais je peux pas vous demander votre aide. Vous avez une mission importante, pas vrai? Bah ouais, un petit peu réparer nos conneries, sauver le monde, tout ça, quoi. C'est vrai, je l'ai lu en vous. Je pensais pas que cette éruption avait eu tant de conséquences. Eh ouais. Eh ouais. Oui, nous devons trouver Pavel et son groupe, nous aurons des ennuis. Bon, je suppose qu'on doit se dire au revoir. Eh bien non. Vlad a dit qu'il t'aiderait, Yvan. Non, vous avez déjà fait beaucoup pour moi. Je peux pas vous en demander plus. Yvan, tu es un personnage nommé. Tu vas servir à quelque chose. Yvan, prends le bâton chaman. Bah c'est pour ça que c'est un bâton spécial. C'est un bâton chaman. Le bâton est un chaman. Je n'oublierai jamais l'hospitalité de cette ville. Bonne chance. Ah merde, on a plus de télépathes. Bien, je pense qu'on devrait y aller aussi. Comment on va faire lire pour lire dans les pensées des animaux maintenant? Oink. Eh bien, on est sur un toit. C'est le moment de sauvegarder. On va y aller. Donc, 20, 45, 50. On écrase ce fichier. Et maintenant qu'on sauvegarde, c'est le moment pour nous de faire une mini-pause. Pour que YouTube... Hop là. Oui, il y a des petits défauts de son, ouais. C'est l'émulateur, pour ça la dire. On va faire une petite pause. Pareil, pensez à vous hydrater, hein, c'est important, du thé. Voilà. Si vous avez suivi sur YouTube jusque maintenant, eh bien écoutez, ravi que vous ayez suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker. Il a déjà son café Barmic. Vous abonner et partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire le moment que vous avez le plus apprécié dans la vidéo. Si vous avez vu quelque chose que j'ai raté quelque part, que je pourrais aller récupérer plus tard, et ben c'est le moment. Si vous vous souvenez de quelque chose, si vous avez pu jouer au jeu à l'époque, pareil, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Bisous. On fait une mini-pause ici, tranquille. On boit un peu. Ce qui est bien avec une tasse thermos, c'est que ça reste chaud. Oui, c'est celle du jeu, la musique, effectivement, Barmic. Et on y retourne. Hop là, on reprend exactement là où on en était. Hop. Donc le maire nous a demandé d'aller le voir et on a plus la télépathie sur le bouton. Donc on va aller voir le maire. D'aller voir le maire. Hop. On va voir la prison. On va aller se moquer un peu de ceux qu'on a attrapés. Précédemment. Si seulement nous étions échappés par la chaîne de Goma. Ah, voilà, information importante. La chaîne de Goma permet de s'échapper. Tais-toi. Ils nous ont eu, mais la prochaine fois, ils vont nous la payer. Ah, ennemi récurrent du coup. Ah, nous n'aurions. Nous aurions dû filer plus tôt. Oui. Oui. Voilà. Et oui, Barmic, la musique du jeu est... Enfin, j'aime beaucoup la musique de ce jeu. Je crois qu'à l'époque où les gens jouaient plutôt à Final Fantasy VI, je jouais à ça. Voilà. Et je crois que c'est vraiment un de mes premiers JRPG auxquels j'ai joué. Du coup... beaucoup de bons souvenirs. Finalement, pour ceux qui ont joué au 7, on retrouve un petit peu le principe des materia, sauf que là c'est des djinns, et que
Et bien du coup, les djinns qu'on utilise, et bien sont, comme on l'a dit dans la précédente partie, permettent de changer la classe des personnages. Et là, pour l'instant pas trop, mais il y a des combinaisons de mémoire qui sont assez pétées. Donc c'est cool. Vous étiez d'un si grand secours, Vlad. Permettez-moi de vous prouver votre gratitude. Je vais offrir un livre. Ah non, une eau jouvence. J'ai la bête si mon premier JRPG c'est Sea of Stars. Il me semble que l'équipe qui a fait Sea of Stars est des grands fans des classiques du genre, justement de l'époque, dont Golden Sun et les Final Fantasy, notamment le 6. Donc non, non, c'est pas si bête que ce soit ton premier JRPG. Surtout que je pense que à terme, il finira dans la playlist des jeux auxquels je jouerai, si j'économise assez pour m'acheter une... trop tard que ça. Merci Salania, toujours le mot pour réconforter. Vous dirigez peut-être vers la chaîne de Goma? Eh ben apparemment oui. Cherchez une caverne dans les montagnes de Goma au nord-est. Une fois que vous l'aurez franchi, vous atteindrez Bilibin. 20 ou 30 ans de jeu de 70 heures minimum. Golden Sun fait 20 heures et quelques, le deuxième, qui prend la suite directe de celui-ci, doit en faire à peu près la même chose. Les jeux étaient souvent un peu plus courts sur les consoles portables. Donc, ça va. Par contre, effectivement, si tu veux t'attaquer à Final Fantasy VII et le faire à bien le poncer, aller vers du 100%, t'en as pour un bon gros 100 et quelques heures, Vernick. Oui, mais Barmik fait des super temps du coup. Il découvre peut-être les FPS à la souris, mais il fait des super temps sur le premier, sur le tout premier Doom. Il est très très fort. Non. Hop, il n'y a pas d'autre moyen de quitter la région pour le moment. Ok, donc on a dit au nord-est. Donc je ne sais toujours pas comment aller voir mon ami le djinn. Je l'ai fait se déplacer. Comment je fais le tour du village? Peut-être comme... Non. Non. Je vais essayer un truc. Il y a un djinn que j'ai déplacé. Et qui se trouve à... C'est vrai qu'on a joué à Battlefield 3. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a un pont. Oui, on m'a dit d'aller à l'est, donc je vais à l'ouest. Voilà. Je suis ce genre de joueur. J'aurais peut-être dû passer du temps à l'auberge. Les ultrasons. Il fallait se défendre avant, mec, mais c'est pas grave. Ouais, alors... Vu comment il jouait à Battlefield 3, qui était plutôt respectable, sa façon de jouer, même s'il jouait au clavier, j'ai envie de dire il jouait mieux au clavier que certains qui jouaient à la souris. L'avantage, c'est qu'il rageait pas. Hop. Donc on arrive au pont cassé, donc ça ne nous servait à rien. Des limons qui ont tendance à fuir. Ah ah ah. Quand ils attaquent, ils se transforment en boule à pique. Glacement. Ouais, c'est intéressant. Tu veux vraiment me chercher un parti? Oui, alors pour rappel, hein, si vous voulez voir du point and click, c'est les mardis soirs sur la chaîne de Salania. Hop, en ce moment, c'est Siberia 2. Et cherchez pas trop Barmik sur le chat, puisqu'il est modo, donc il est plutôt raisonnable dans l'utilisation de son pouvoir, en général.
tout se passe bien, tu finis, tu prévois de finir Siberia 2. Hop, allez, on va faire une sieste. Hop. Ah, tu prévois de finir Siberia 2 ce soir. Alors que je sois là, du coup. Bah, en plus, j'ai rien d'autre à faire ce soir, donc c'est cool. Hop. Je devrais avoir fait le découpage des épisodes du jour. Hop. Donc, on nous a dit d'aller au nord-est. Et on va aller au nord-est. Des amanites. Sauf que cette fois-ci... Ouh, séisme. Donc, ah ouais, d'accord. Ok. Donc là, le jeu nous explique un truc. Intéressant. Une barre, mono-cible. Trois barres. Une cible principale, elle est un peu moins forte sur ceux d'à côté. Et là, on peut aller jusqu'à 5. Donc, le jeu nous dit, on peut avoir jusqu'à 5 ennemis. J'ai la flemme, du coup je vais faire feu. Ah ouais, boule de feu, allez hop, on va tester la boule de feu. Probablement. Ça taunte dans le chat. Boum, allez. Dans le chat. Hop. Est-ce que je peux passer par là? Ouh. Hop là, je passe à travers les forêts. Hop là. Ah. Du coup, dans la forêt, il y a de la vermine. On va faire secouer la vermine et flamber la vermine. Point. C'était pas assez puissant pour finir le combat en un tour. C'est pas grave. Alors oui, j'ai une utilisation assez libérale de la magie, dans le sens où le jeu est sympa. Oui, là ça devrait aller. Oui, tac. Le... truc. Et il y en a un qui a survécu. Mais il va flamber. Voilà, kebab de vermine, au menu ce soir. Hop. Et du coup, j'ai fait le tour pour rien, c'est ça? J'ai fait le tour pour rien. Ouais. Pas grave, on refait le tour. Hop. Donc oui, en fait, on récupère de la magie en marchant. Donc on peut assez librement utiliser de la magie. Boum. Oui, une attaque de terre touche les chauves-souris qui volent. Oh, des ultrasons. Du coup, il réplique avec une boule de feu. Boum. Donc le plus vite je me débarrasse des combats, le plus vite je peux avancer dans le reste du jeu, ce qui est toujours pratique. Du coup, hop, 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 hop. Oui, on va beaucoup entendre la musique de combat du jeu. C'est un jeu de l'époque, hein, d'il y a 20 ans. Donc beaucoup de combats aléatoires. Ouf, une grosse attaque avec un coup critique. Du coup, sauter de champignons. Au menu. Hop. J'imagine que la chaîne de Goma est ici pour traverser. Et du coup, si je me dirige par là, il y a des trucs. Non. Non. Toute forêt. Ça sert pas à rien. Il y a des endroits où il y a des djinns qui se trouvent cachés dans les forêts. Du limon. Ça, on s'en fout, le limon. Alors je pense que... On va peut-être arrêter les conneries, mais... peut-être utiliser beaucoup de points de magie. Hop. Cette façon de présenter aussi les combats, si c'est de ça dont tu parles, Ravik. Je la trouve beaucoup plus agréable que celle des Dragon Quest. Non, je pense que c'est l'émulation qui fait trembler l'image de... Du... Comment ça s'appelle? De l'Overworld. Vraiment, la carte du monde. Oh là là! Comment est-ce qu'on va passer? C'est pas comme si on nous avait appris à le faire. Dès le début du jeu. Hop.
J'aurais pu utiliser... Allez. Hop. Au début du jeu. Hop. Ah, alors là, par contre. Ah là là. Faut laisser... Faut garder la main appuyée. Faut garder le bouton appuyé pour que ça marche. Hop. Là, il y a un truc caché. On s'en servira après. Tout, 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 tout. Non, j'ai raté l'échelle. Hop. Ouais, le... ça tremble un petit peu tout. Non. Non. Oh. Mon dieu, je ne peux rien faire pour l'instant. Il y a quelque chose d'autre à faire. Notre psy-énergie n'est pas suffisamment puissante pour déplacer cette souche. Ah, et revoilà, Yvan. Oui, il n'y a que dans la carte, ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'est l'émulation qui fait trembler, parce que j'avais pas le souvenir, moi, dans le jeu original, que ça tremblait comme ça. Donc, je pense que c'est un défaut de l'émulation. J'essaierai de trouver une solution, s'il y en a une. Malheureusement, ça fait partie des choses qui pourraient être problématiques. Tu veux déplacer cette souche, pas vrai? Non, c'est pas non plus trop désagréable. Allez, vas-y, utilise ta psy-énergie du vent. On dirait que la lyre le retient. N'y a-t-il rien que l'on puisse faire? Bah si, t'as une psy-énergie qui s'appelle Tourbillon. Je le sais parce que j'ai lu tes stats. Brillante idée. Je sais. J'ai une bonne idée, laisse-moi faire. Et boum. Boum. Hop là, voilà. Bien joué, Yvan. J'ai réussi. T'étais même pas sûr de réussir. Merci pour le coup de main. Mais que fais-tu ici, Yvan? J'ai pas pu rentrer dans l'Umpa. Eh oui. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas venu vous demander votre aide. J'ai pas arrêté de penser à votre mission depuis mon départ de Fault. Et oui. J'ai tout lu dans vos esprits, vous vous en souvenez? Je pouvais pas partir avec toutes ces choses qui arrivaient. Si je ne peux pas sauver Maître Ahmed, alors je vais vous aider. Et puis du coup, ça t'aidera à sauver ton maître. Je vous en prie, laissez-moi venir avec vous. Yvan a rejoint votre groupe. Essayez-vous d'aller à Bilibine par cette grotte. Allons-y. Donc, on reprend. C'est de ce côté-là qu'il fallait pousser. Et... Oui. Oui, mais là... Ok, c'est mignon, mais je peux pas passer par là. J'ai raté un truc, hein. C'est évident. La 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 la. Attends voir. Et voilà. Et voilà. Donc là, on est dans la caverne de Goma. Non, faut pas aller mettre les pieds dans l'eau. GG. C'est gentil, Barmic. C'est gentil. Ouh, un squelette. Tu sais quoi? On va secouer le squelette. Et après, on va le
On va l'attaquer sans même. Il y a un sacré magot dans cette grotte. Il a plein de PP, autant y aller. Je sais pas ce que c'est ECM, quoi. Électromagnétique. Boum, 47 PV. Tremblement, 20 PV. Ok, bah c'était suffisant. Touk, touk. Oui, dans la grotte de Goma, ouais. C'est plus une apparition, c'est un fantôme. Bah, les séismes. Feu. Et tourbillon pour ces trois-là. Ouais. Il va falloir que... Ah, aiguille de niveau 5. 20 pièces d'or, pratique. Lentement. Ah oui, toi, est-ce que je peux te déplacer d'ici? Non, faudra que j'arrive d'au-dessus. On va essayer d'attaquer au maximum de... ennemis en une fois. Économiser pour lui. On s'occupera du reste après. Alors du coup, la question c'est que si j'utilise... Ah oui, non, maintenant ils sont beaucoup trop séparés, donc ça sert à rien. Intéressant. Oh, un djinn de feu. Alors, avant toute chose... Ah mais oui, mais c'est normal qu'on ait plus beaucoup de PP pour... Voilà, ça nous servira tout à l'heure. Monsieur, vous avez vu quelque chose de bizarre par là? Je l'ai combattu, mais il a fui. Quand je suis revenu, je l'ai vu à nouveau. Je me demande s'il aime cet endroit. Un djinn de feu, un djinn de feu. Ouais, toi t'as plein de... De ce que j'ai compris, moi, la grotte de Goma permet de traverser la région. Ah ouais, d'accord. Il se soigne. Tintamarre. Ok, c'est juste que ça fait mal aux oreilles. C'est quoi, tu m'as énervé? Ah ouais, mais ça va faire baisser mes stats. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin d'optimiser. C'est bien. Il a augmenté un truc, on trouve 12 pièces d'or. Ok. Donc il faut remonter. Putain, il y en a du monde ici. Là, c'est gâché. Yvan devient Eosage.
niveau 5. Sûrement en rapport avec Éole, le vent. Hop. Okay. Utiliser les magies pas trop puissantes. Il va falloir commencer à soigner quand même Garrett. C'est quoi? Ouh, coup critique de bâton. Ok, ce bouton là fait ça. Hop, hop, hop. Et on va glisser sur Garrett. Les autres sont encore à peu près en bon état. On peut passer par là. Est-ce qu'on peut déplacer d'ici? Faut aimer la musique, le combat de ce jeu. On va beaucoup l'entendre. Non. Je peux passer. Bon, là, j'y suis déjà allé. On est perdu dans une grotte. Par là. Ok. Voilà. Sauter de plateforme en plateforme est mon gros point faible. Ah oui, la portée de déplacer est trop courte. Ah, j'ai raté un truc. Bon, vous savez quoi, on est pas loin de la fin. Donc on va s'arrêter dans pas longtemps. Bloquant sur une énigme toute bête qui consiste à aller d'un point A à un point B. Ouais, le bouchon, ouais. Oui, il aime bien cet endroit, mais je ne sais pas comment l'atteindre. Vous savez quoi ? On va revenir au... Je pense qu'on va revenir à l'entrée, à la prochaine partie. Hop. Voilà. Donc il suffisait de sauter le petit rebord qui était juste là en dessous de ce que j'avais vu. Je pense que c'est le bon moment pour faire une pause et s'arrêter. Si vous avez suivi jusque maintenant sur YouTube, et ben voilà, hein, on se retrouve bientôt. Je vous remets
le clap, commenter, liker, abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Si vous avez vu plus vite que moi qu'il suffisait de sauter par-dessus le petit rebord, eh bien bravo. Si vous avez d'autres moments comme ça à partager, des moments où vous avez galéré dans ce jeu ou dans d'autres jeux, pareil, n'hésitez pas. Comme on disait, le jeu a 20 ans, donc si vous n'avez pas pu y jouer à l'époque et que vous le découvrez aujourd'hui, parce que vous étiez trop jeune ou que vous n'aviez pas accès à la console, donc Game Boy Advance, ou pas d'intérêt pour les JRPG à l'époque, c'est l'occasion de regarder ça. Et puis, je vous dis à la prochaine, bisous. Et hydratez-vous. Aïe, aïe, aïe. Bon, on peut rester à discuter encore quelques minutes, hein. Grattez-vous, elle est pas mal celle-là. Oui, non, je trouve que c'est marrant, mais grattez-vous. Et hydratez-vous. Le mug. Aïe, aïe, aïe. Oui, le travail sur la musique d'Armic de ce jeu est quand même assez bon. Pour un jeu qui est... c'est mieux le grattez-vous. Elle est pas mal celle-là. Grattez-vous, ça marche aussi. Voilà. Non, effectivement, il y a eu un bel effort de fait à l'époque sur l'ambiance sonore. Et les décors sont quand même très très bien faits pour un jeu qui a 20 ans. J'ai vraiment hésité à prendre Sea of Stars quand il est sorti. Et je pense que. Je pense qu'effectivement, si j'acquiers une carte d'acquisition télé et que mon PC est capable de le gérer, ce sera effectivement un jeu dans la liste des jeux. Après, le prochain... Je vais pas enchaîner sur Golden Sun 2 tout de suite après avoir fini celui-là. Je pense que je ferai Final Fantasy Tactics Advance, qui est aussi un jeu GBA, avant de poursuivre Golden Sun 2. Ça laissera un peu de temps pour oublier un peu l'histoire et retrouver un petit peu et être surpris. Même si j'ai déjà fait les deux, effectivement, il y a 20 ans. Note, on a une version physique. Ce sera intéressant, effectivement, la version physique. À nouveau, quand je m'y mettrai, je pense que ça, pour l'instant, ça va pas être l'objectif. Là, je vais passer du temps juste derrière à faire mes éditions. Ça marche.